à avis du Conseil de l'Ordre pour avoir appliqué un nouveau traitement pour la sclérose en plaques. Il a été réhabilité par le président de la République. Il a toujours affirmé qu'aucun patient ne s'était plaint de ses soins. Un scientifique estime que les ondes des radars, des écrans d'ordinateur ou des téléphones portables ne sont pas du tout nocives. D'autres, au contraire, pensent qu'elles sont mauvaises pour la santé. Et c'est le cas du docteur Maski à Nice. Il a 77 ans et il se bat depuis des années pour dénoncer, selon lui, les dangers de l'environnement électromagnétique. Avec mon épouse qui est chirurgienne dentiste, nous sommes installés à Tuléar, ville située sur la côte sud-ouest de Madagascar, où nous avons exercé de 1955 à 1962. J'étais médecin généraliste. Et nous nous sommes réinstallés à Nice en 1963. Je ne m'étais jamais intéressé à la recherche médicale. Et pourtant, en 1965, j'ai pensé que dans les pays industrialisés, les conditions de vie étaient capables de provoquer des perturbations de l'environnement électrique. Nous sommes du matin au soir entourés d'appareils électriques de toutes sortes, fonctionnant ou utilisant le courant électrique. Nous sommes habillés souvent de vêtements en nylon qui nous chargent d'électricité. Nous avons des chaussures qui nous isolent du sol. Nous marchons sur des revêtements qui sont des isolants électriques. Et j'ai pensé que sans nous en apercevoir, nous étions tous plus ou moins soumis à une véritable pollution électrique. Et au mois d'avril 1967, j'ai eu à ma consultation une femme qui avait des douleurs rhumatismales et qui était en même temps atteinte de sclérose en plaques depuis des années. À mon grand étonnement, elle était améliorée par le traitement, application de minéraux et conseils que je donne, donc pas de vêtements nylon, faire des douches et essayer de se mettre en contact le plus possible avec le sol. Elle était améliorée pour sa sclérose en plaques. Je ne connaissais pas cette maladie. J'avais vu peut-être 2-3 malades dans toute ma carrière, quand je faisais mes études, mais ensuite, je n'en avais jamais vu à Madagascar. Et c'est une maladie, je me suis précipité sur les livres, automatiquement, c'était maladie inconnue dans l'hémisphère sud, surtout dans les pays nordiques, dans l'hémisphère nord et les pays industrialisés. Pour moi, ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Je me suis dit aussi, c'est une maladie de civilisation avec un facteur génétique de prédisposition, c'est-à-dire que ce facteur génétique va vous donner du rhumatisme, affection cardiaque, toutes sortes de maladies, et le facteur d'environnement qui est la pollution électromagnétique. D'autre part, cette malade, c'était une révolution naturellement pour elle et pour moi de voir les résultats qu'elle obtenait. Elle avait un gros déséquilibre. Au bout de 6 mois, elle marchait autrefois avec 2 cannes. Depuis 20 ans, elle a pu quitter ses cannes au bout de 6-7 mois de traitement. Mais en plus de ça, cette femme m'a dit qu'elle était hypersensible aux émotions, aux contrariétés. Donc, tout de suite, je me suis dit, si cette femme est hypersensible aux émotions, aux contrariétés, qu'elle a une accentuation de ses troubles moteurs quand elle reçoit une mauvaise nouvelle, qu'elle s'engueule avec quelqu'un, qu'elle a un bruit imprévu. Il n'y a pas de virus dans cette maladie. Dès 1868, Charcot, Jean-Martin Charcot, qui a été le premier médecin à décrire la sclérose en plaques, avait constaté qu'on pouvait déclencher une sclérose en plaques à la suite d'ennuis familiaux, de problèmes divers, et qu'on pouvait faire des poussées. Dites-vous bien que depuis 1868, les neurologues savent qu'il n'y a pas de virus et qu'ils cherchent un virus. Les malades étaient tellement améliorés qu'il y a eu des articles dans la presse, et là ont commencé mes ennuis. C'est-à-dire que, sans savoir qui j'étais, ce que je faisais, un professeur, grand spécialiste de l'époque de la sclérose en plaques, par voie de presse, a mis en garde les malades contre moi. J'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre ici à Nice, où je me suis fait insulter par les 18 membres du Conseil qui m'ont dit que j'étais le déshonneur de la famille Maski. Il y avait 5 médecins à l'époque, de la médecine niçoise, de la médecine française. Quand je leur ai dit, mais il y a 400 malades, ça ne nous intéresse pas.